Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la Radio des Sans Voix pour une nouvelle émission. Palais de la culture d'Annaba, 29 juin 1992, en plein discours que donnait le président de la République algérienne de l'époque, Mohamed Boudiaf, une grenade explose, puis un bruit de tir retentit. La nation déjà plongée au cœur d'une guerre civile et d'une lutte antiterroriste assiste en direct à l'assassinat de son président. Plus de 25 ans plus tard, les raisons de son assassinat et les têtes qui l'ont commandité demeurent encore dans la zone floue. Pourtant, le dévoilement de ce secret d'histoire s'inscrit au cœur de la lutte pour la vérité et la justice que mènent plusieurs acteurs depuis les années 90. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons l'honneur de recevoir un des protagonistes de la lutte pour la vérité et la justice, M. Nasser Boudiaf. Bonjour, d'abord je vous remercie pour cette invitation. Vous faites un travail noble, je vous souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation. Je voudrais saisir l'occasion pour dire bonjour à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Merci et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fils de Mohamed Boudiaf, ancien combattant de la guerre d'indépendance et ancien président de l'Algérie. Vous êtes également politicien et auteur du livre « Autopsie d'un assassinat, Boudiaf, l'Algérie avant tout », paru en 2011. Pour commencer, je vous propose de nous parler de votre parcours et de ce qui vous a poussé à vous impliquer en politique et dans le militantisme. Bon, moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la politique. Ce qui m'a poussé à chercher la vérité, parce que je considère que Boudiaf a été trahi, et ça je ne pourrais jamais l'accepter. Je pense que c'est dans les gènes des Algériens, il n'aime pas la trahison. Donc après son lâche assassinat, je me suis investi totalement dans cette vérité. Ça a duré depuis 25 ans. On a mis des noms, on a interpellé tous les gens qui étaient à l'époque responsables, avec des lettres ouvertes que vous pouvez consulter sur les réseaux sociaux. Ça n'a donné rien du tout. Donc moi je pense que pour ce qui est de la vérité, il est nécessaire de mettre hors d'état de nuire ce système. Et pourquoi estimez-vous qu'un combat dans l'établissement de la vérité et de la justice est nécessaire encore aujourd'hui, plus de 25 ans après la décennie 90? C'est important parce qu'il faut qu'on sache pourquoi il a été assassiné. Parce que Boudiaf, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des fondateurs du FLN, c'est le coordinateur des 22, celui qui était responsable. Il a déclenché le 1er novembre avec ses compagnons. Donc en 62, après l'indépendance, il ne s'est pas entendu avec eux, donc il est parti. Il est resté au Maroc pendant un long exil, 27 ans. Et puis après, l'Algérie, quand elle savait pas où aller, parce que la question a été posée par lui-même en 64, avec l'apparition de son livre « Où va l'Algérie ?», ils sont venus lui proposer de revenir au pays pour sauver l'Algérie. Et lui, il est rentré dans ce sens-là. Malheureusement, 6 mois après, il a été assassiné par un cadet de la Révolution qui tue le père de la Révolution. C'est terrible. Et c'est pour cette raison-là que cette vérité, je la chercherai jusqu'à ma mort. À la veille du 25e anniversaire de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, vous avez déclaré à la presse algérienne vouloir laisser la justice juger les coupables. Et vous qui avez cherché vérité et justice pendant 25 longues années, vous vous rétractez aujourd'hui de la lutte contre la vérité et la justice? Non, pas du tout. Je vous ai expliqué auparavant, ça fait depuis 25 ans que Boudiaf a été assassiné. Chaque fois que l'occasion m'est donnée, je dénonce ces gens-là. Cette année, j'ai fait une déclaration où je dis que la vérité, je ne vais plus la chercher. Et je laisse la justice divine s'occuper d'eux. Je pense qu'il n'y a pas plus fort que ça. Parce que, comme je l'ai dit et je l'ai expliqué aux gens, les gens n'ont pas compris malheureusement, tant que ce système est en place, on ne saura rien. Donc, moi, ça fait depuis 25 ans. J'ai dit que j'ai mis des noms, j'ai Tofer, Nazar, qui étaient des hauts responsables à l'époque. J'ai dit que ce sont eux qui ont tué Boudiaf.
Rien ne bouge, ni la justice, ni rien du tout. Donc, occupons-nous de l'Algérie aujourd'hui qui va mal et laissons le soin de ces assassins à la justice divine. La dernière sortie de Ghulam Allah, qui était ex-ministre à l'époque, et qui est maintenant président du Haut Comité islamique, qui dépend de la présidence, a déclaré il y a 3 ou 4 mois que les gens qu'ils ont ramenés Boudiaf, c'est eux qui l'ont assassiné. Bon, le peuple sait très bien qui a ramené Boudiaf en Algérie. Hein, c'est les militaires, c'est Nazar, c'est Tofer, c'est Haroun, c'est Rosali. Donc ces gens-là, ils sont visés. J'ai écrit une lettre ouverte au ministre. En même temps, j'ai écrit une lettre ouverte à M. Loh, qui est ministre de la Justice. Bah, jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse. Donc, je me suis dit qu'ils sont en train de nous faire tourner en bourrique, je m'excuse du terme. Donc, laissons la justice divine s'occuper de ces gens-là. Il y a une partie qui est déjà chez le bon Dieu, ils sont en train de payer de leurs actes. Maintenant, il reste des autres qui vont arriver après. Mais ça ne veut pas dire que j'abandonne la vérité, au contraire. J'ai jamais dit ça. La majorité parle même de menaces que vous auriez reçues qui vous a poussé à abandonner un peu la lutte contre la vérité. Non. Est-ce que c'est le cas? Non, jamais. Non, c'est faux. C'est faux. Hier, on m'a envoyé, on m'a dit que Nasser Boudiaf est mort. On a mis ça sur un site où va l'Algérie. Non, c'est du n'importe quoi. Non, on ne m'a jamais menacé, on ne m'a jamais rien dit. Et si demain, ils me disent quoi que ce soit, tout le monde le saura. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Votre père avait publié en 1964 un ouvrage qu'il avait intitulé « Où va l'Algérie ?». Alors, Monsieur Boudiaf, je retourne ma question. Selon vous, où va l'Algérie ? Ben, l'Algérie, elle ira où le peuple voudra aujourd'hui. Parce que je crois que la majorité du peuple algérien a compris qu'il faut quelque chose de nouveau. Moi, je me suis engagé. Hein, politiquement, je suis en plein dedans actuellement. C'est des gens qui m'ont demandé de relancer le projet de Feu Boudiaf. Ça marche très bien. J'espère qu'on va réussir. Je crois que, avec toute ma modestie, on a une chance, il faut la saisir en plein vol. Et nous vous saluons pour ce combat et votre persévérance. Maintenant, pour le livre de Boudiaf, vous savez pourquoi il a écrit C'est très simple. Quand il a été kidnappé en 63 à Hydra, sur le pont de Hydra, par les sbires de Bembla, qui l'a arrêté? Un certain Ousmer, qui était un ex-agent de la DST. La DST, c'était? C'est la direction des services secrets français. Il travaillait avec eux avant l'indépendance et après l'indépendance, il a rejoint l'équipe de Bembla. Donc c'est pour ça qu'il s'est posé où va l'Algérie la question. Vous avez déjà procédé publiquement à des accusations de généraux algériens. Qu'est-ce qui vous fait penser que la thèse avancée au procès qualifiant l'assassinat de votre père d'acte isolé n'est pas la vérité? C'est impossible. Professionnellement, dans une salle, c'est impossible s'il n'y a pas de complicité. Et d'autant plus qu'on n'a jamais vu au monde un président derrière lui un rideau. Ça n'existe pas. Regardez les autres présidents du monde entier, quand ils font un discours, il y a le mur derrière, il n'y a pas un rideau. Donc c'était un guet-apens. Boudiaf, il a échappé déjà à Inti Mouchent. 2 semaines, je crois, avant le 29, avant cette funeste date, il a échappé à un attentat. Et je vous dis qui me l'a dit, c'est le grand écrivain Ismail Khadra. Le grand écrivain Ismail Khadra, que j'ai rencontré à Paris et qui à l'époque était officier de l'armée. Il m'a dit on les a arrêtés. Et je lui ai dit, ma question toute bête, je lui ai dit c'est des islamistes. Il m'a dit mais non, c'est pas des islamistes, ça n'a rien à voir. Donc, l'islamisme dans l'assassinat de Boudiaf n'a rien à voir dedans. Parce que sinon, si c'est eux qui ont commis ce meurtre-là, donc ils sont au pouvoir. Donc toutes ces raisons-là me font dire que l'acte isolé n'existe pas. Imaginez-vous, on assassine un président. Il n'y a que l'assassin présumé qui paye. Mais c'est du jamais vu. Tofir, qui occupait un poste stratégique, qui était le patron du DRS, vous n'êtes pas dans le coup, démissionnez. Vous avez failli. Smaïn, qui était à l'époque vivant, Belkhir qui était vivant, personne. Nazar, personne. Donc, ce qui me fait dire, il n'y a pas que moi. Il y a tout le peuple algérien qui pense la même chose que moi. C'est un complot. Parce que Boudiaf commençait à déranger le système établi depuis l'indépendance confisquée. Parce que Boudiaf commençait à déranger le système établi depuis l'indépendance confisquée. Voilà. Quant au militantisme, ce sont les lâches circonstances de son assassinat et la quête pour la vérité sur les instigateurs
sur son lâche assassinat qui m'ont fait découvrir le militantisme. Pour cette cause et les autres causes justes pour lesquelles se bat le peuple algérien. Mais pour la politique, je n'y ai pas encore pris part. Je vais commencer le combat politique avec la reprise du Rassemblement national. C'est un projet qui est cher à Mahmoud Boudiaf, qui d'ailleurs a été assassiné pour ça. On va essayer de rassembler tout le peuple algérien, notamment ceux qui ont compris le message de Boudiaf et qui ont découvert surtout l'espoir, avec son discours simple et profond autour d'un seul mot d'ordre, qui est simple, mais combien grand, l'Algérie avant tout. Dans son plan d'action pour l'année 2017, le nouveau gouvernement Tebboune semble placer la promotion de l'état de droit en priorité, puisqu'il y a consacré son premier chapitre. Comment qualifieriez-vous l'état de droit en Algérie actuellement ? Il n'y a pas d'état de droit en Algérie. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Ça, c'est chaque fois qu'on a un nouveau responsable, il nous raconte la même histoire, et puis quelques temps après, on s'aperçoit que il n'y a rien du tout. Bah, écoutez, moi je ne comprends pas cet état de droit, comment il le considère lui. Moi, en tant que citoyen algérien, pour moi, c'est un pays où il n'y a pas de droit. C'est la vérité. Nous, on est en train de courir depuis 25 ans derrière cette vérité-là. L'État nous méprise. Là, je vois le nombre de disparus en Algérie. C'est énorme, c'est terrible. On ne connaît rien du tout. C'est ça l'état de droit de M. Tebboune. Non, M. Tebboune, je suis désolé, il n'y a pas un état de droit. La seule justice qu'il y a ici, c'est la justice du plus fort. Et la justice ne te bat que sur le petit Algérien, le petit peuple. On voit les hauts dirigeants, tous les jours la presse raconte la corruption qui bat son plein. Les gens, ils sont dénoncés par leur nom. La justice ne bouge pas. Le dernier des derniers, Bouchouar. Vous savez, depuis deux jours, on tire sur lui. Je me demande pourquoi la justice ne bouge pas. Donc, tant que la justice ne bouge pas envers ces gens-là, pour moi, il n'y a pas un état de droit. La lutte pour que vérité et justice soient faites en Algérie, c'est la lutte pour que la lumière soit faite sur tous les crimes commis et que tous les responsables soient jugés. Je vous propose donc d'aborder un autre groupe qui, comme vous, combat pour la même cause, les familles des victimes des disparitions forcées en Algérie. Selon vous, pourquoi est-ce que l'obtention de la vérité sur le sort de leurs proches arrêtés ou enlevés par des agents de l'État est si difficile pour les familles ? Peut-on construire sur le faux une injustice ? Ça, c'est une question. Non, le système politique actuel est faux et injuste. C'est pour cela qu'il a perdu l'adhésion du peuple. Le très important taux d'abstention et l'incroyable nombre de bulletins nuls lors des élections du 4 mai 2017 sont la preuve irréfutable de la perte de confiance du peuple en ses gouvernants. Mais en ce qui me concerne, la recherche de la vérité sur le lâche assassinat de mon père a pris une autre dimension actuellement pour d'abord relancer le projet de société de Bouyaf, à savoir le Rassemblement national, demander des élections présidentielle anticipée pour soulager l'actuel président de la République actuelle des tortures que lui inflige quotidiennement son cercle le plus proche. 3. Mettre fin au système de gérer la République par procuration. Et enfin 4. Instaurer un système démocratique transparent, juste, simple et profond comme Boudiaf afin de renouer avec l'histoire de l'Algérie. Et vous avez parlé tout à l'heure justement de la perte de confiance du peuple algérien envers son pouvoir, envers son État. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour que le peuple algérien retrouve confiance envers le pouvoir ? Changer le système carrément. Mettre ce système dehors, parce que ce système, depuis notre indépendance, confisqué, hein, je dis bien confisqué, parce que ce n'est pas eux qu'ils ont combattu les Français, bah, ils ne changeront pas, ils ne changeront jamais. Donc il nous faut un changement radical, comme le souhaitait Mahmoud Boudiaf. C'est la condition sine qua non pour changer les choses ici et pour donner un nouvel essor pour l'Algérie. Tant qu'on est sous la botte de ce système militaro-politique, je pense que rien ne changera. Donc un changement de système pour vous, ça passerait par quoi ? Ça passerait par le renversement des grandes têtes qui sont là depuis trop longtemps ? Bien sûr, ils ont fait leur temps, c'est terminé. Ils sont plus crédibles. Hier, j'ai lu une déclaration du secrétaire général du FLN, disant que le FLN va enquêter pour savoir pourquoi le peuple n'a pas voté lors des dernières élections.
Moi, c'est simple, je lui réponds que si vous étiez un ancien Mujahid et un ancien condamné à mort, vous auriez démissionné. Moi, je pense que les élections, les dernières élections, ont montré qu'il y a une rupture totale avec l'État, entre le peuple et l'État. Je crois que le peuple a compris que ces gens-là, il vaudrait mieux ne pas s'investir avec eux. Et ça a trop duré depuis 62. Mais je pense que le peuple, je le salue parce qu'il a pris une décision courageuse et pacifique. Parce que nous, on veut un changement pacifique. On ne veut plus que le sang coule, plus jamais ça. On veut un changement pacifique. Il veut les élections, on ira aux élections. Donc vous parlez du boycott des élections ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que le peuple a une arme dans sa main, c'est le boycott. Il ne faut plus aller avec eux, c'est terminé. Laissez-le. Les prochaines élections communales, il faut les laisser. Il ne faut pas, parce que ça ne change pas. Il n'y a rien ne changera. On nous parle des changements, on nous parle... Il nous ramène Qassi pour mettre Bouhlam après à sa place. Ça ne change pas, c'est la même chose. Il faut un changement radical. Ces gens-là ont failli. Partez. Partez, moi je peux vous dire, partez s'il vous plaît. C'est mieux. Comme ça, on gagnera du temps. Souvent, vous n'avez pas vraiment reçu de réponse des autorités quant aux lettres que vous avez faites, quant aux appels que vous avez faits. Où est-ce que vous trouvez la persévérance de continuer ? Moi, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que je perds ? Je perds rien du tout. Moi, mon père, il faut que les gens, il faut que le peuple, parce que le peuple l'a pleuré. 25 ans déjà qu'il est parti, à chaque anniversaire de Boudiaf, quand les gens viennent se recueillir, c'est la même émotion. Donc c'est un bonhomme que les gens ont vraiment aimé. Et c'est pour ça que je me battrai jusqu'à ma mort. Surtout le peuple algérien, il faut qu'il sache la vérité. Moi, je sais. Moi, je les ai dénoncés, ces gens-là. Ils n'ont même pas eu le courage de me contredire. Donc, j'espère qu'on les jugera tant qu'ils sont vivants. On l'espère aussi, que vérité et justice, justement, soient rendues bientôt, on l'espère. Inch'Allah, afin de clore cet entretien, est-ce que vous auriez un message à adresser aux jeunes citoyens algériens pour peut-être inciter à faire passer le flambeau de la lutte pour que vérité et justice soient faites, et la lutte contre l'impunité aussi? En conclusion, je voudrais dire que le système actuel en Algérie est en train de singer le colonialisme. À la fin de ces jours en Algérie, en effet, quand De Gaulle a compris que le peuple est décidé d'en finir avec la présence du colonialisme en Algérie, il a commencé à lancer des plans comme le plan de Constantine, etc. Et bien sûr, on fait attention, le gouvernement actuel est en train de parler de logement. D'ailleurs, avant-hier, j'ai entendu à la radio, chaîne 3, que le 5 juillet sera sous le signe du logement. C'est terrible. Une grande date comme celle-là, On a fait le logement pour voir comment ils sont en train de travailler. Et autres. Mais cela ne servira à rien parce que le peuple a décidé d'en finir avec le système d'indépendance confisqué et son injustice et son impunité. Mon message pour les jeunes, pour le peuple algérien, on va relancer le rassemblement de Boudiaf. C'est comme ça que je vais l'appeler. Rejoignez-nous. Parce que d'abord, c'est un rassemblement qui va unir tous les Algériens de toutes tendances, hein, confondues. Hein. La porte est ouverte pour tout le monde, à condition qu'on mette l'Algérie avant tout. Et si on se rassemble autour de ce projet, on rendra service à l'Algérie. Et je crois que Boudiaf en haut, il sera très très heureux. Comme ça, on ne va pas lui tuer une deuxième fois. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très très bon courage pour la suite. Merci à vous. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. À la radio des 100 voix, nous en profitons également pour saluer votre combat pour l'établissement de justice et vérité, et ainsi que saluer le combat que votre défunt père avait entamé. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec une nouvelle personnalité. Au revoir.